صارما واصل الغاني واعتزل ذكر الهواني وارمي بالبيض الحسان واسلم مختوم الجنان والملاهي والمغاني من كران او مباني كل ذويك سراني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر آمين ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بزفر آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أيضا سنرى غرس الله سبحانه وتعالى وصبه. Et nous bénissons le sceau du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salim. Hier, nous avons fait le résumé non. du discours de Baïnias rendu à Kaduna en 1971. Ce que nous avions commencé depuis l'entente du mois de Ramadan. Non. On espère avoir dit le nécessaire de ce discours-là. Et on prie également Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Que les uns et les autres puissent en profiter largement. Amen. Alors, comme on a quelques deux ou trois jours avant la fin du mois de Ramadan, non. il y a quelques amis à nous qui nous ont demandé de parler un peu de Sariman Wasl al-Rawani. Sariman Wasl al-Rawani, qui est un poème liturgique non. de Cheikh Ibrahim Agnès. Et après avoir écrit ce poème-là, il dit qu'il a regretté de l'avoir écrit. Allahu Akbar. Il a regretté de l'avoir écrit. Parce que ça retrace son conflit avec les membres de sa famille. Non. Et personne n'aime qu'on parle des conflits entre lui-même et ses propres frères. Mais c'est déjà été écrit. Au-delà du conflit, il y a beaucoup de révélations là, dont il fait cas dans ce poème-là. Alors donc, on va dire ça. Mais ce n'est pas pour mettre en exergue, Inch'Allah, le conflit qu'il a opposé entre lui et ses frères. Non. Et ça fait partie de l'histoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, quand on le veuille ou pas, nous sommes obligés de lire Tabat Yada Abi Lahabin wa Tabba. Wallahi. Alors, c'est un conflit entre le prophète Mohammed lui-même et son propre oncle. Non. Grand frère à son père. Allahu Akbar. Même père, même mère. C'est vrai. Alors donc, si Dieu lui-même a fait de ça un chapitre dans le Coran, une non. sourate, que les gens vont lire jusqu'à la fin des temps, tout le monde sera ce qui a été, c'est-à-dire celui qui a été son oncle Abu Lahab. Wallahi. Nous, on n'y peut rien, Inch'Allah. Alors Dieu nous aide et il nous permet de comprendre. Et, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Non. Alors donc, dans ce poème, c'est un long poème de combien de vers, Hassan? Je pense que ça va faire quelques 40, 51, 52 vers. C'est-à-dire que c'est un long poème. Non. C'est 53 vers. Non. Un poème de 53 vers. Et tout ce poème-là, il a dit spontanément. C'est pas que c'est assis pour réfléchir, écrire. Non, non, non. Alors, les personnes comme Cheikh Ibrahim Agnès, non. la plupart de leurs poésies non. sont des dictées d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Allahu Akbar. Voilà pourquoi quand il a écrit même ses ouvrages, il dit « Le Warid m'a inspiré ainsi. Mm-hmm. » Et ici, prend fin le Warid. Non. Donc, il dit, je retire ma main. Alors, donc, quand c'est comme ça, non. ce n'est même pas lui. C'est comme si c'est une révélation. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait, Salim. C'est comme ça aussi le wahyu. Il est là, du coup, il rentre dans un état second. Non. Et on voit qu'il commence à transpirer. Même quand il fait froid à un degré, il dégage une chaleur pas possible. Allahu Akbar.
Et il sent la lourdeur de la chose. En dehors de lui, personne ne peut supporter ça. Mmh. Et souvent, il attend comme si ce sont des abeilles qui tournent autour de lui. Le son des abeilles, là, c'est ce qu'il entend quand il reçoit la révélation. Oh, donc, la révélation se révélait de plusieurs manières. Alors, c'est ça que l'islam l'a retenu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les auleurs de Dieu ici, eux, quand ils veulent parler, non, ils profitent, ça veut dire, d'un héritage mohammedien, mm-hmm, mais à un degré moindre. Vous savez, et Baïgnas c'était comme ça. Non. Toute la poésie de Baïgnas, ce n'est pas des poésies où il s'est assis pour réfléchir, non, et écrire. Réfléchir et écrire, non, non, non. Alors, si on comprend le contexte, on comprend l'homme, dans quel état d'esprit il écrit, non, on peut facilement comprendre ce qu'il est en train d'écrire. Allah Akbar. Alors, il commence ce poème en disant « Sariman waslal ghawani ». Non. « Coupe-toi de toute belle femme. » Allah Akbar. « Arrête ta liaison avec toute belle femme. » Le mot arabe « ghaniya », c'est « al-mar'a al-ghaniya mm-hmm. bi-husniha an-zina ». Non. C'est une femme, elle est tellement belle qu'elle n'a pas besoin d'ornement. Elle n'a pas besoin de porter les boucles d'oreilles. Non. Elle n'a pas besoin de porter les chaînes autour d'elle. Non. Elle n'a pas besoin de se maquiller pour être belle. Même quand tu la réveilles très tôt le matin, là, tu trouves que sa beauté, là, c'est OK. Kusuba. Voilà, ce n'est pas des femmes qui se réveillent le matin qui vont aller s'arranger un peu pour que tu puisses la regarder. Non, non, non. Elle est jolie même quand elle dort. Elle est jolie même quand elle se réveille. Mais en réalité, c'est un symbole. Parce que c'est ça le plaisir de ce bas monde. Non. C'est comme si tu disais de te couper de tout ce qui n'est pas Dieu. Allahu Akbar. Tout ce qui peut te distraire dans cette vie-là. Non. Coupe-toi de ça. Allahu Akbar. Et on a dit qu'il y a quelque chose qui distrait l'être humain dans sa marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est, on appelle ça Al-Awarit. L'imam Ghazali l'a situé à 4 grands obstacles. Non. Il dit Ad-Dunya. Non. Le monde dans l'amour de Dunya. Non. Et Al-Khalqu, les êtres humains. Les êtres humains, pourquoi? Parce que nous tous, on aime causer. On a des grandes places qu'on aime bien aller, prendre le thé. Ça fait plaisir. Tu laisses là-bas, tu ne vois même pas le temps passer. Souvent, tu te lèves, tu vois que tu as fait 1 heure de temps. Wallahi. Souvent 2 heures de temps. Mais souvent même 3 heures de temps. Mais Dieu ne t'a pas créé pour venir t'asseoir dans les grandes places. Wallahi. Quand tu vois, tu fais le juste minimum, tu te lèves. Mais c'est 3 heures de temps, tu te poses la question. Mais j'aurais utilisé ça, j'aurais pu utiliser ça pour invoquer le Tout-Puissant Allah. Et le jour de la résurrection, la seule chose qui va être l'objet de notre regret, non, c'est le temps qu'on a passé sur Dunia sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand on va regretter là, non, c'est ce temps qu'on va regretter. Et si je savais, au lieu de passer ce temps-là à causer des causeries inutiles, j'aurais pu quand même prendre mon Coran pour lire, non, prendre mon chapelet pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, non, tout le monde va regretter le temps qu'il a perdu pour rien. Allahu Akbar. Alors donc, ce qui te distrait, non, Dunia en fait partie. Dunia en fait partie. Non. La créature de Dieu, tes semblables, les êtres humains, Adamadim bi nyanagbani, Adamadim warade. Ate nyanagbako sou soukai. Quand il est seul dans la solitude comme ça là, non, il n'est pas content. Dès l'instant que sa femme vient, ils arrivent à causer avec elle, les enfants viennent, à penser qu'il y en a bien, les amis, finalement, ils se retrouvent un peu. Non. Mais en même temps, tout ça, c'est des distractions. Allahu Akbar. Tu prends de ça le minimum vital. L'être humain ne peut pas vivre sans coopérer avec les autres. Mais s'il passe tout le temps avec eux, il perd le goût de la solitude. Alors que dans la solitude, tu réalises Dieu. Non. Tant que tu n'es pas, j'allais dire, bousculé avec les êtres humains, non, ton esprit s'accroche à Dieu. Mais quand tous les êtres humains sont devant toi, ton esprit, non, s'accroche à eux. Wallahi. Donc la solitude a beaucoup son importance dans la vie d'un voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Sariman waslal ghawani, coupe-toi, coupe toute forme de liaison avec ces belles femmes-là. Non. On a dit que ces belles femmes-là sont tout ce qui symbolise la distraction qui t'empêche, non, d'assurer une marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atazil zikral aghani. Non. Éloigne-toi également des belles chansons. Allahu Akbar. Tu aimes aller dans les cabarets pour aller écouter les chansons. Non.
Il y a des clubs de reggae aujourd'hui. Les anciens reggae man, tous se retrouvent là-bas les samedis. Ils écoutent reggae jusqu'au petit matin. Ils font les fanaou dans le reggae. Non. Ah, le matin, ils reviennent dans la maison. Mais tout ça là, pour l'homme de Dieu, ce sont des distractions. Tu aurais pu utiliser quand même ces nuits-là pour envoyer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il dit, wa'atazil zikral aghani. Non. Il dit, warmi bil bidil hisani. Il dit, jette ces femmes de teint clair là. Jette-le au fond là-bas. Tu sais que ça, c'est pas facile, hein? Wallahi. Surtout aujourd'hui là, elles ont pris quand même le dessus. À Moussou, Gouéman, passe-passe. Tiens. Au local, il y a eu. Wallahi. Moi, il y a un qui est venu me voir. Il dit, chef, faut me trouver une femme. J'ai dit, quel. Il dit, mais à qui Moussou Gouéman? J'ai compris ça, chef. Alors, Moussou, Fima, là, à qui tu quoi? Mais tout ça, c'est des symboles. Hein. Non. Ce n'est pas des femmes là qui est en train de parler. Koussoué. Dunia, l'amour de Dunia, c'est de ça qu'il est en train de parler. Éloigne-toi de tout ça. Non. Waslu Martou Madinani. Il dit, fais sauter le bouchon. Le bouchon de quoi? De la bouteille de vin. Okay. Parce que souvent aussi, on passe le temps à boire. Voilà. Et on dit le dromican. Non. Quand on est saoulé. Koussoué. Tout ça, c'est des distractions. Allahu Akbar. En langue arabe, quand tu veux faire une belle poésie, ne rentre pas automatiquement dans le sujet. Tu jases, tu tournes autour de tout ça là. Pour que les gens comprennent ta préparation spirituelle avant de rentrer dans le vif du sujet. Non. Alors donc, rejette les belles femmes. Non. Rejette les femmes teint clair. Non. Rejette les belles chansons que tu aimes. Non. Rejette la boisson, l'alcool. Non. Rejette tout ça là. Non. Et wal malahi wal magani. Rejette également les lieux de distraction. Walmarani et les lieux de chansons également. Non. De tout type de demeure, des demeures où on fait ça là. Rejette tout ça là. C'est-à-dire les cabarets, les boîtes de nuit, tout ça, rejette ça. Partout où on va chanter, partout où on va boire, non. Partout où tu vas aller, les femmes vont passer en spectacle devant toi. Non. Hein, tout ça, rejette ça. Allahu Akbar. Et c'est ça qui représente le plaisir de Dunia. Allahu Akbar. En un mot, rejette Dunia. Il dit, Kullu zi waika sarabu. Il dit, tout ça là n'est rien d'autre que, qu'un mirage. Allahu Akbar. Ça n'a pas d'existence réelle. Il me dit, il reste ce qu'on a fait, mais comment? Qu'il y a eu un le mirage là, c'est quelque chose qui se passe devant toi comme si c'était la réalité. Koussoué. Tu es en train de voyager, tu vas sur la route comme s'il y a de l'eau quelque part. Non. N'est-ce pas? Et puis quand la voiture arrive, tu vois que il n'y a rien ici. Wallahi. Et puis tu vois que l'eau n'a encore allé devant. Non. Et tout ça là, c'est ça, c'est le mirage. Ça te donne l'impression d'exister vraiment, mais ça n'a pas d'existence réelle. Koussoué. Parce que connaissant de Dieu, lui, sa vision doit être capté par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Tout ce qui n'est pas Dieu doit être considéré comme un mirage. Allahu Akbar. Il dit Kullu zi waika sarabu. Non. Wabghi ruhan lil maani. Non. Il dit cherche-toi un esprit pour ce corps-là. Cherche-toi un esprit pour ce corps-là. Non. Parce que l'esprit est là. Mais il faut que toi tu partes à la recherche de l'esprit en purifiant ton cœur. Ton cœur-là, il est le plus grand récipient que tu as. Alhamdulillah. Non. Tout ceci n'est que mirage et cherche-toi un esprit pour ton cœur. Ton cœur doit être purifié pour que le plus grand esprit puisse s'y installer. Non. Qui n'est rien d'autre que la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il faut rechercher seulement. En dehors de ça, tout ce que tu recherches est éphémère. Oh. Et c'est cette chose-là sont éternelles. Là. Alors, qu'est-ce que c'est que cet esprit-là? Il dit, Aïmoha im haqqu haqqin. Non. Il dit, c'est le sens du ha. Quand tu écris Allah, non. Ça, c'est pas ma compréhension. Hein? Parce que c'est pas bien ce qu'il explique comme ça. L'affaire de Dieu est tellement complexe. Non. Tu vas dire que de mon point de vue. Non. Peut-être que du point de vue de Baïnia, c'est plus performant et plus profond que ça. Parce que quand Baïnia se parle de ça, souvent il n'explique pas. C'est ce qu'il ressent qui fait ressortir. Non. Mais quand on essaie de traduire un peu, non. On peut faire ressortir quelque chose qui se rapproche un peu de ce que Baïnia voulait dire peut-être. Bonsoir. Il dit Aïmou Ha'a'i. Il dit il s'agit là de l'essence du Ha.
quand tu écris Allah, non, tu vois que il y a le alif qui est le premier lab, non, le deuxième lab, non, il y a le haou, non, le haou là, il dit c'est le sens de ce haou que je veux que tu recherches parce que les premières lettres qui ont précédé le haou, non, ce sont ces lettres là qui ont formé encore le haou. Quand tu prends trois lettres, un, deux, trois en haut, ça forme le haou, n'est-ce pas? Donc, Aïn Haou, c'est comme si c'est la dimension dans laquelle tout est enfui. Oh, mais là, l'instant, il parlait de ça, il parlait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la dimension dans laquelle toutes les réalités se sont mises. Non. Il dit Aïn Haou, il est la vérité de la vérité. Le réel du réel. Non. C'est lui qui sait ce que ça veut dire. Donc, mais il veut parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Taliyan sab'at masadi. Celui-là qui dit les sept répétés. Et les sept répétés, c'est le Coran. Vous savez, le Coran a sept versets. Le Tout-Puissant Allah disait, j'ai partagé ces versets-là entre moi et mon serviteur. Non. Et je donne à mon serviteur ce qu'il me demande. Quand tu dis Alhamdulillah, Dieu dit, il dit Hamidan di Abdi. Non. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, il dit Asma alayya Abdi. Allah, Majidani Rabbi. Donc tout ce que est Abdi, tout ce que tu dis, Dieu, il te répond. Quand tu arrives au niveau de Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Dieu te dit toujours, il a confirmé que c'est moi celui qui l'adore. Et il dit Nasra al-Mustaqim, c'est là que la prière vient. Non. Il dit alors, mon serviteur m'a demandé de le quitter dans le droit chemin. Donc, tout ce que tu as dit là, la seule prière qui est dans la fatia qui est Ihdina Sirat al-Mustaqim, non. Tu dis alors, je te donne ce que tu m'as demandé. Non. Tu as demandé la guidance. Alors, je te donne la guidance. Au soir, on va voir celui qui perd les cinq prières quotidiennes. Non. Il y a de fortes chances que la personne soit guidée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, Taliyan Sabu al-Masani, celui-là qui dit réellement les sept répétés. Non. Et Sabu al-Masani, comme l'a dit, c'est le Coran. Il dit, Bisifati Zati Hakam. Mais il le dit comment? Il le dit dans un état d'orientissement à Allah. Ce qui fait que ses attributs deviennent les attributs de l'essence. Bisifati Zati Hakam. Par les attributs de l'essence. Rukbatan Leysat Lissani. Et cette dimension-là, ne tient qu'à lui seul. Aucun autre être n'a atteint cette dimension-là. Non. Que tu sois un prophète. Non. Que tu sois un ange. Non. À plus forte raison, un dieu. Non. Cette dimension-là ne tient qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il t'a montré, il rejette tout pour te cramponner à l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir Dieu. Non. Parce que tu ne peux aucunement avoir Dieu sans passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça arrive à l'Ouest, tout ça là, ce sont des images, non, des plaisirs de ce pas-moi. Hein? Pour que tu partes vers le prophète Mohammed, parce que tu veux Dieu. Et celui qui veut Dieu, il n'a qu'une seule porte. Le chef du Nain disait que toutes les portes sont scellées vers l'Ouest. Il a une lame avec ta femme, à faire la souris, la souris. Sauf celui-là qui suit la voix du prophète Mohammed. Non. Toutes les voies, toutes les portes qui mènent à Dieu sont toutes fermées. Sauf celui-là qui suit la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va juste te faire sortir ici là. Si c'est Dieu que tu veux, la première chose que tu vas faire, rejette Dunia. Si tu as rejeté Dunia, faut pas penser que tu vas aller vers Dieu automatiquement. Non, non, non. Va vers la porte qui mène à Dieu. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui là, il a atteint une dimension qu'aucun être avant lui, comme après lui, ne pourra atteindre. Aïnouha ibn haqqu haqqin taliyan sab'al masani, bi sifati zati haqqan rubbatan laysa lisani, fa huwa mukhtarul baraya. Ce prophète là, il est l'élu de toute la créature de Dieu. Baraya, c'est jamul bariya, oulaïka hum kharul bariya, wa oulaïka hum sharul bariya. Tout ce que tu as créé, depuis l'être humain, jusqu'à la fourmi, jusqu'à l'arbre, tout ça est considéré comme barrière. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le c'est celui-là que Dieu a choisi. Alors, fahouwa mukhtarul baraya, abla takwidil kiyani.
Dieu l'a choisi depuis quand? Il a choisi avant qu'il ne crée quoi que ce soit. Le mot qui a de Dieu, ce qui a été créé et ce qui va être créé. Non. Tout ça, le prophète, il est choisi. Alors qu'en réalité, tout ce que Dieu va créer, il avait déjà fait de façon normale. Tout ce qui a été fait que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le lavage des clichés qui ont déjà existé. Quand tu vas tirer une photo, tu as le cliché, et quand on va faire passer ça dans le laboratoire, ce qui était dedans là, non. C'est ça que nous sommes ici. Celui qui n'était pas là quand on prenait la photo, c'est difficile que lui soit dans la photo. Tiens. Même si ça fait le Ouattara. Voilà. Pour que Dieu nous aide. Oui. Alors, il dit Barazat Hadaratutaha. Non. Il te donne maintenant des informations sur le prophète Mosrasan qu'on appelle Taha. Non. À partir de quand il a commencé à exister. Il ne parle pas même de l'existence d'apparition. Barazat, il dit la Hadara de Taha qui est en là. Non. Est apparu avant même que Dieu lui crée l'espace et le temps. Non. Alors que l'être humain, sa compréhension ne peut pas dépasser l'espace et le temps. Non. Essaye d'imaginer quelque chose qui est en dehors de l'espace et le temps. Non. Où tout être humain est difficile. Voilà. Mais il dit que Dieu a fait sortir cette réalité-là avant même qu'il lui crée l'espace et le temps. Mm-hmm. Barazat Hadra Tutaha Kabla Takwini Makani. Non. La Hadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est apparue avant que Dieu lui crée l'espace d'abord. Non. Barazat Hadra Tutaha Kabla Takwini Makani. Voilà. Oh, on compte lui. Il dit son existence est une existence très ancienne. Très ancienne. Et quand on a posé la question à Baïmias, on dit mais depuis quand cette réalité a commencé? Il dit cette réalité a commencé avec la volonté de Dieu ou avant la volonté de Dieu. Non. Et quand Dieu a voulu qu'elle soit, elle a existé d'une existence que le néant n'a jamais précédé. Non. Elle a existé d'une existence que le néant n'a jamais précédé. Bon, bon. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Elle était avec la volonté de Dieu. Non. Ou bien avant la volonté de Dieu. Non. C'est tout à fait normal qu'elle soit avant même la volonté de Dieu. Bon, bon. Il s'agit de quelle volonté? La volonté de Dieu de dire qu'elle existe. Il m'a amoureux, il a arrêté chez les miens la beaucoup faire compte. L'homme de Dieu est que quand il veut quelque chose, il dit à cette chose-là, soit. Donc, c'est ce que je veux dire là. Avant que tu dises la chose, soit, non. C'est qu'elle est là déjà. Bonsoir. N'est-ce pas? Non. Mais c'est parce que dans ta pensée, elle est là. Donc, quand tu as dit à la faculté de Mohamed, il y a soit Mohamed là, elle existait déjà dans la science. Dans la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant que Dieu la dise, soit. Elle était déjà conçue à tomber d'abord. Non. Barazat Hadratutaha, Kabatakwil Kiyani. Alors donc, Bayez dit qu'il existait avant la volonté, c'est pas mal de ça. Et quand Dieu a voulu qu'il soit, il existait automatiquement. Mais d'une existence, non, le meilleur n'a pas précédé. Parce qu'en réalité, le meilleur, pour nous là, non. Est une existence, de toute manière. Mais une existence que nous ne connaissons pas. Au sommet. Dieu, dans son tiroir, tout ce qui n'a pas fait sortir de son tiroir est considéré comme un néant pour nous. Non. Mais pour Dieu, c'est une existence, il n'a pas quelque part. Mm-hmm. Et si tu veux que Dieu ne savait pas ce qui est dans son néant, tu as accusé Dieu d'être ignorant. C'est même ce qui est dans le néant là. Pour lui, c'est une existence. Et il sait tout ce qui est là-bas. Bon, bon. Ok. Kabla Takwin al-Makani, il a une vie très ancienne. Kabla Takwin al-Zaman, avant même que Dieu ne crée le temps. Bon, voilà pourquoi il dit qu'il est là avant l'espace et le temps. Il existait avant l'espace et il était là avant le temps. Bonsoir. Innani Kabla al-Baraya, c'est ce qui est plus compliqué que Bayez l'a dit. Innani Kabla al-Baraya, il dit moi mon bail. Avant même la création de la créature, son amour avait déjà pris mon cœur. Allah. Tu dis que tout le monde était là. Innani Qabla al-Baraya, était l'occupation, son amour était l'occupation de mon cœur. Allah a bien une différence entre Janan et Jinan. Janan, c'est Al-Qab. Quand il dit Janan, c'est Al-Qab. Quand il dit Jinan, c'est le paradis. Non. Le plusieurs, le pluriel du paradis, c'est Jinan.
Mais quand tu dis Janam, tu vois que c'est un accent seulement que tu as changé. Non. L'accent qui était en bas, tu l'as mis en haut, c'est devenu Janam, c'est devenu le cœur. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Fahoua Akli wa Sharabi. Non. Ce prophète-là, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Akli wa Sharabi. Non. Il est toute ma nourriture et ma boisson. Allah. Ça veut dire quoi? Il ne se nourrit que de la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas la nourriture des humains là qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse là, c'est ce qui va nourrir son cœur. Et ce qui nourrit le cœur, c'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Fahoua Akli wa Sharabi, il est ma nourriture, il est ma boisson, Fahoua Dini wa Jinani, il est ma religion et il est mon paradis. Bon. Il est ma religion et il est mon paradis. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, on termine. Fahoua Si, Fahoua Kaisi, là. Il est celui-là qui constitue la clarté de ma face. Et il a aussi mon trésor, Wawa Kenzi. Wawa Dina. Wawa Siway. Wawani, Wawani. Non. Il est celui-là qui représente toute ma sûreté. Quand je sais, quand je suis avec lui, je suis dans l'assurance et je suis sans sécurité. Et ça, je vous le dis, pour ce que je suis avec le prophète Mohammed. Alors donc, on va se limiter à ce niveau-là. Et de nous, on va continuer ici, Warafir, Watariq, Wajawadi, Wassinani, ainsi de suite, Inch'Allah. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, on comprend par là que Bagné est en train de t'enseigner à travers ça, le monde de l'Awani, de rejeter Dunia, de rejeter tout ce qui contient Dunia. Rencontre-toi à l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin d'avoir accès à Allah subhanahu wa ta'ala à des mots. Et il te donne des informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu n'avais pas. À partir de quand sa lumière a commencé à exister, il existait avant la création de l'espace et du temps. Que je vais expliquer ça clairement dans ce passage-là. Que Dieu donne la compréhension. Merci vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فهو مختار البرايا قبل تكوين الكيان برزت حضرات الله قبل تكوين المكان إنني قبل البرايا حبه شغل شجاني.